Sembombo. Retour vers Julien Gorius. Gorius avec Agmon. Agmon la frappe à distance. Oh, il se trouve. Théo de Fourdy qui est battu sur cette frappe puissante de Yannick Agmon. Elle paraissait pourtant facile cette balle, quoique puissante. Mais on ne s'attendait sans doute pas à ce que ce ballon frappé par Agmon termine sa course au fond des filets. 1-0, ou plutôt 0-1 pour OHL. Moins de 4 minutes désormais dans le temps réglementaire. Il appuie sur le côté, mais pas sur lui. Et ça manque tout de même un petit peu d'envie hein, du côté tubisien, on le sent. Goudiaby, le centre tendu, Duplus qui est encore une fois à la bonne place. Chabraya avec Garlito, le relais avec Na, il n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu, la frappe et c'est au fond finalement. L'égalisation des jeunes Chabraya qui rétablit l'égalité. Ah, c'est un but tombé un peu de nulle part, mais qu'est-ce qu'il est important celui-là juste avant la pause. Qu'est-ce qu'il va faire du bien à cette équipe de Tubis, qu'il est vrai n'a pas forcément montré le plus beau football, en tout cas le football qu'on lui connaît depuis le début de la saison, même si lui dans Conta n'est pas génial. La remise en jeu. Chimanga, le centre. C'est touché par Martens. Attention à ce deuxième ballon, il y a une faute. Oh non, il n'y a pas de faute et ce but est validé finalement. Un but à deux, c'est Sami Kelly qui vient à peine de monter au jeu et qui replace Louvain en commande. Mais je suis persuadé qu'il y a un petit accrochage moi sur le défenseur tubisien. Mais par contre, il doit se dégager plus tôt. Hein. Il doit se dégager plus tôt. Ça se passe en deux temps. J'ai l'impression qu'il veut couvrir la sortie de Théo de Fourny. Et Henri qui fait parler toute sa puissance là-bas. Son physique, Agmon. Qui évite le tacle de Nyris Arike. Ballon vers Sami Kelly. Il est hors jeu, le centre. Et le voici le troisième. Le voici le troisième but. Il est signé Chimanga. À 15 minutes du terme, Louvain vient de faire un très grand pas vers un succès très important en vue du maintien. Et décidément, définitivement, le changement de Sami Kelly est un changement payant opéré